Hello les potes, c'est DoFusion, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour continuer l'aventure en Coliseum avec les cafés. On va partir sur un colis 3v3, on verra si on utilise le mode terre ici, le mode eau qui est là. On va voir selon la composition en face, on se retrouve dès que le Coliseum est lancé, à tout de suite. Ah, enfin on trouve un colis les gars, ça fait au moins un quart d'heure que j'attends, je sais pas pourquoi. Donc bref, on est contre quoi? Contre Eka, Sram, Kra, et nous on est avec Zobal et Kra. On va mettre le mode OR. On va mettre le mode OR parce que je pense qu'on aura besoin de la régène. Il veut que je mette là? Il veut que je mette là le pote? Ok. Il veut nous mettre les boubous instant, ce qui peut être pas con. Attendez. Hop, vite, 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 il faut que j'ai le temps. Perception. Voilà, allez go. Bon les potes, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cette team? On a du coup Zobal et Kra. Donc Zobal et Kra, Zobal et Kra, Zobal et Kra. Ils sont stylés leurs petites émotes. Ok, what? L'équilibrage du Coliseum Dofus. Putain mais c'est pas possible, comment? Enfin genre, je sais pas si on va gagner ou pas. Mais on tombe contre des mecs qui ont pas du tout de Dofus Ivoire. Genre, je sais pas, mais en fait, depuis que je fais des colis, les gars, il y a souvent ça qui se passe et tout ça. Là, celle-là, je pense que je la mettrai qu'on gagne ou qu'on perde pour genre, voilà, free win, d'accord. Vous voyez, en fait, c'est ça. Depuis que je fais des colis, il y en a plein que je mets pas, etc. Vous avez vu peut-être, je sais pas, 4 ou 5 colis, alors j'ai dû en faire des vingtaines. Parce qu'en fait, on tourne à les teams. Soit moi, je suis le seul Ivoire Ébène en face contre 3 Ivoire Ébène. Soit inversement, il y a ça, les gars. Donc là, je le mettrai pour un petit peu, voilà, dénoncer ça. Parce que c'est chiant, j'ai vu que ça peut qui en parlait pas mal aussi ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est abusé. L'équilibrage du colis, les gars, c'est n'importe quoi. Et même quand c'est dans mon sens, en fait, je m'en fous. Le but, c'est pas, je joue pas au colis pour, genre, pour gagner, etc. de la côte. Pour avoir des matchs sympas et équilibrés. Et là on tombe du coup contre full mec qui ont ni Ivoire ni Ivoire ni Ébène. Du coup en fait, fait genre, je trouve ça abusé. Franchement je trouve ça abusé. Je suis un peu deg sur ça. On va voir parce qu'en vrai ils peuvent nous faire le crâne au 75% PV sur Puput et 5 là. Ben ouais putain mais regardez les restes, j'ai même pas vu. 17-25. On est contre 3 mecs absolument non opti. C'est hallucinant. On va voir ce que fait le. Ce que fait le bro là. Bien insidieux, tout ça, tout ça. Ok. Je vais tenter un truc. Là, je vais chaton derrière moi. Donc on va pouvoir rush un petit peu les gars, honnêtement on s'en fout un petit peu. Ok, je vais juste sortir de là. Tac, tac, voilà. Et tac, comme ça je prends pas les dégâts inutilement. Je booste mon ébène. Je leur dirais on peut s'avancer hein. Zéro risque. Merde j'ai mis un S à risque alors qu'il y en a zéro de risque. Putain c'est chiant. Genre ils ont zéro res. Putain mais Ankama s'il vous plaît. Franchement écoutez ça peut. Il vous fait des tweets. Genre toutes les 10 minutes je le vois. Il fait une tweet. Vous lui répondez même pas les potes. Ah non faut vraiment faire un truc hein. Faut vraiment faire un truc. C'est pas possible hein. Genre on peut pas avoir des colis comme ça. Où ça tombe sur sur full gars Ivoire Ben. Attends en plus je crois qu'il le détecte là. Ça marche toujours ça ou pas? Attendez. Ah il est là. Parmel est là, non je sais pas. Bon il peut avancer. De toute façon on perd des PB, waouh. Ils ont potentiellement deux mecs qui peuvent héro. Mais le temps qu'ils nous trouvent laisse tomber. Non putain il est con, on a vu le truc là. Il est un peu int là. Bon il va avancer avec la valise de rappel prochain tour, c'est pas grave. Est-ce que j'ai les PO moi? Non j'ai pas les PO, dommage. Là dessus on a juste à avancer les gars. Vraiment pour gagner ce combat on a juste à avancer. En fait dans le tas c'est tout. On ne peut pas perdre ce combat, genre théoriquement on ne peut pas perdre ce combat. Même si je vais me suicider là, mes deux mates gagnent. Ou même si notre Zobal va suicider, on gagne à deux. Enfin genre, Ivoire et Ben sont actuellement trop puissants les gars dans le jeu. Pour faire un 3 et Ben Ivoire contre 0 et Ben Ivoire en fait. Genre vraiment, je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment trop puissant. C'est à dire que même si on joue comme des clous là. Et là on va juste rush comme des débiles en fait. Il n'y a même pas de stratégie à faire, on va même pas se parler. Moi je vais arriver, je vais avancer.
je vais taper là, voilà, en plus j'ai des boubous. Donc s'il veut venir me choper, il doit Mero. Si Mero, je le mets visible et on le touchote. Vraiment, on le touchote, les gars. Et le crash, j'en parle même pas, il a zéro fucking résistance. Donc c'est vraiment pas leur faute à eux, les gars. En face, c'est vraiment pas leur faute à eux ni rien, hein. C'est la faute de ce fucking équilibrage, hein. Regardez, le SRAM a 3300 HP juste en se prenant des poisons déjà. Là il va utiliser ses PM. Si je le trouve, il est mort en fait, vraiment. Ok, pour l'instant il est là, 8 PM. A mon avis il va reculer de toute façon, parce que s'il avance il dead ça. Moi je vais juste rush, les gars, je vous le dis. Il peut mettre tout ce qu'il veut, oui, des doubles et tout ça, c'est très bien, hein. Franchement c'est bien, hein. Ils pourront rien faire en fait, c'est triste à dire, les gars, c'est vraiment triste à dire. Et ça qui est juste chiant, genre l'équilibrage j'ai vraiment mal fait pour le coup. Je crois qu'il a utilisé tous ses PM d'un coup. Là ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais what the fuck. D'accord, hop, ok, ça marche. Allez, hop là. Je vais juste essayer d'aller faire le repérage où il m'a dit de le faire. Hop, on va s'avancer de 3 ici. On va se perception sur nous. Non, il est pas là, ok. Bon, il doit être vers là. De toute façon, là, on a juste avancé. Dans 3 tours, ils sont morts parce qu'on va juste les bloquer en fait. Là, c'est bien, il va me taper, mais il va me taper sur du boubou et il s'est exposé. Ok, en but, EK. T'es en plus, le pire, c'est que genre, il tape pas grand chose, les gars. Regardez, à la griffe joueuse, il me fait du 500 boosté. Je lui fais du pareil, 575 boosté alors qu'il a. Il a moins de res, moins d'HP, tout ça. C'est juste qu'ils sont moins petits pour le coup, ils y peuvent rien. Voilà. Bah là on va tuer le Kra, les gars. L'Eka il est littéralement mort, hein. À ce tour-ci normalement, hein. Voilà. 1300 et je vais le finir moi. C'est vraiment abusé. Il y a genre Ankama, il faut vraiment vous fassiez quelque chose, les potes, sur l'équilibrage du colis. C'est ouf. Parce que malheureusement, en fait, il y a. C'est vrai, les gars, si vous ne croyez pas quoi, allez vraiment voir les vidéos de Sapeu et tout, même les tweets de Sapeu. Si vous suivez Sapeu sur Twitter, les gars, il se plaint H24 du collier, c'est exactement pour ça. Genre, si vous faites un petit peu de collier en 2.0, de toute façon, vous le voyez, le collier 3v3 n'est absolument. En fil solo n'est absolument pas équilibré, que ce soit en termes de compo de classe ou encore pire, les gars, en termes de genre de ça, de ivoire ébène. Il devrait prendre en compte que le perso a un ivoire ou un ébène sur lui, de toute façon, genre vraiment. Vraiment. Et en vrai, genre, enfin, c'est ouf, mais il y a très peu de personnes qui sont genre légendes et tout sans Ivoire Ebène, je pense, hein. Pareil, là, on pourrait juste one shot le crâne en fait si on voulait, mais on va finir les cas. Vu que j'ai pas prendre de dégâts, vu que je suis sous boubou, je vais avoir 12 PA. Je pense que je peux le finir en fait. Je pense que je peux legit le finir, les gars. Ah, il a trouvé, ok, d'accord. Il va du coup redevenir. Bah en fait non, je vais juste tuer le SRAM en fait. Il sera juste à côté de moi. Je vais finir. Bah il va essayer de Mero quoi. Attends, est-ce qu'il a du poison lui? Ouais, il a du poison. Préférentiellement je vais tuer les K, comme ça je suis sûr qu'il joue pas. Comme ça je suis sûr qu'il ne joue pas, les gars. On va y aller. À part s'il nous bloque, sinon. On va go double joueuse et tout ou rien avec bien évidemment la roue de la fortune. Il prend 6 ans. Yes. Hop, bah en fait on va y aller comme ça, regardez, on va faire. Hop. On va faire ça. Hop. On va faire ça. On va faire. Ça et on va faire ça. Bon, il meurt de toute façon avec Eben et tout là. Il est décédé. 100% de chance qu'il meurt. Voilà. Malheureusement, c'est un no match en fait. Ils y peuvent rien en face. Ils auraient pu jouer parfaitement. Ils auraient pu jouer comme des débiles. On gagnait tout simplement parce que voilà. Là, déjà en termes de compo, encore on y peut pas grand chose malheureusement. Mais en termes de Eben Ivoire quoi. Donc ça serait vraiment cool de faire un truc. Mais le pire, c'est les classes, les gars. Encore là, ce match. En full opti. Déjà on a l'avantage je pense de base. Mais parce que je pense que le Zobal est supérieur au SRAM en 3v3 actuellement. Mais et encore bon, ça se joue, ok, très bien. Mais pour le coup il y a vraiment nos matchs à cause de l'Ivoire Ebène quoi.
Limite, on aurait dû se dire tous, on joue pas à niveau ébène, quoi, mais c'est n'importe quoi. Donc là, vous voyez, il tape très fort, Lucra, y a rien à dire, hein. Mais voilà, déjà, il est sur une map préférentielle. Ce qui, enfin voilà, mais en plus, fait genre, ça sert à rien, il tape 1900 et au tour 4, on est un full boosté. Le Kral, nous, chez nous, il fait ça tous les tours, quoi. Voilà, il va le finir. Normalement, il y a. Ouais, si, peut-être pas, il le finit, peut-être il le finit pas, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'il le finisse quand même. Il va coup d'arc, il va lui mettre du 1000. Ok, non, il préfère me sauver. Ok. Bon, ils veulent juste faire des tests, du coup, je te booste. À la rigueur, je peux aller boost le Kra, les gars. On peut à la limite faire des petits tests comme ça, voilà. À la limite, c'est le seul truc dans ces matchs-là qu'on peut faire. Je vais aller booster le Kra. Je vais même pas tuer le SRAM, hein. Je vais juste aller booster le Kra. On s'en fout de toute façon, genre. Allez, je vais aller booster le Kra. Fais-toi plaisir, MDR. Let's go. Allez. Ah ben non, je meurs. Ah ah. Putain, je voulais le boost. Bon, on va voir la pupu. Bon, à mon avis, il est one shot. Quasiment. Parce qu'il y a du 10%. Je pense qu'il peut le tuer. 2211 en crit max. C'est-à-dire qu'il peut le tuer. Ah, il a pas crit. Et il a fait du coup du. Attendez, on va prendre ça. 1900. Oh là là, les gars. Oh là 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 là. On va prendre le petit screen, les gars. Pour la miniature, et bien évidemment, OMG, ce Kra est terriblement fort. Non mais c'est dommage, c'est dommage parce qu'en vrai ça gâche l'expérience de pas mal de gens. Et je suis sûr qu'il y a énormément du coup de personnes. Vous avez vu, on a joué comme des débiles honnêtement. On s'est exposé tout ça, j'ai même pas fait attention aux lignes de venir rien. Et on gagne uniquement pour ça. Donc s'il vous plaît Ankama, faites un petit truc juste pour l'équilibrage parce que c'est plus possible quoi, genre vraiment c'est absolument plus possible. Certes on prend 11 millions d'XP mais on s'en fout un petit peu. Bref les potes, ben du coup j'espère qu'Ankama fera vraiment un truc pour l'équilibrage. Parce que franchement c'est plus possible. Je vous jure que 3 colis sur 4 c'est ça. Soit c'est dans ma team, soit c'est dans la team en face. Souvent même c'est dans la team en face. Donc ça fait des colis free pour moi. Mais je m'en fous en fait complètement. En fait le truc c'est en retournant ici en faisant du colis, je veux juste m'amuser. Je m'en fous de gagner ou de perdre. J'ai perdu des combats où vraiment c'était ultra fun et tout ça. Ce week-end où j'étais chez moi, j'ai fait des combats vraiment ultra amusants où on a perdu parce que ça se jouait à un perso qui restait. C'était un 1v1 qui joue sur un crit ou quoi. Et c'est ça qu'on veut. Genre c'est des trucs où il y a un petit peu de stratégie, tout ça. Là, voilà, on a run comme des débiles. On a même pas. On a fait zéro strat. On a tué des mecs et fini. Bref, les potes, on se retrouve quand même pour le tirage au sort de la vidéo pour vous permettre de remporter de 1 à 4 semaines d'abonnement. A tout de suite. Du coup, les amis, on se retrouve directement pour le tirage au sort de la vidéo. Comme à chaque fois, fin de vidéo, je vous propose de gagner un abonnement quand c'est les vidéos de Dofus 2.0 allant de 1 semaine à 1 mois, totalement gratuitement. Quand c'est les vidéos en premier, je vous propose de gagner des kamas directement sur Erats ou sur Annual. Et dès que Dofus Retro sortira, je vous proposerai directement de gagner des kamas sur Dofus Retro, comme à chaque fois, ou des petits items qu'on dropera tout simplement. Pour participer à chaque fois, les gars, dans toutes les vidéos, c'est pareil, c'est très simple et c'est totalement gratuit. Il faut juste que vous abonniez à la chaîne YouTube, que vous mettiez un pouce bleu sous la vidéo et que vous mettiez un commentaire. Si vous faites ces trois choses qui prennent 5 secondes, vous serez dans tous les tirages au sort, les gars. Donc allez-y, n'hésitez pas à participer sur toutes les vidéos, vous avez totalement le droit. Du coup, on est parti pour savoir combien de semaines d'abonnement seront à gagner cette semaine. Ce sera une semaine d'abonnement qui sera à gagner. Et le vainqueur, il s'agit de. Ça peut pas être moi, non. Ça va être Antoine, j'estime pas mal ce petit TK, mais félicitations Antoine, tu remportes du coup ta semaine d'abonnement frérot. Merci à tous encore de tous les 5 mois partant en ce moment les gars. Je vois qu'il y a plusieurs séries qui vous plaisent, notamment la série sur Dofus Retro, donc ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch qui est juste en bas. Je fais pas mal de streams en ce moment, donc ça fait très plaisir de vous voir. On est généralement plus de 100 sur tous les lives. On a dépassé les 150 subs et les 1000 follow la semaine dernière, donc c'est vraiment insane. Alors que ça fait 2 mois qu'on a commencé les streams, merci du fond du cœur. Voilà les potes, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Dofusium. Bye.